je vois une tache. Donc c'est une tache très, très, très visible avec une pénombre. Hein. Une tache en forme de goutte. Donc il y a un petit bout pointu comme ça. Au-dessus de cette tache, je vois un groupe de trois petites taches sans pénombre. Et une petite plage faculaire sur le côté. Voilà. Donc là, j'essaie de capturer la tache solaire sur la caméra. Bon, il y a mon petit-fils qui pleure derrière, donc peut-être que ça va vous déranger, mais bon, comme ça, la tache est ici. Voilà, donc le setup, caméra Bresser microoculaire. La lunette 70-900 Bresser Astro Junior. Là, le filtre solaire à l'ouverture. Donc, je vous conseille toujours de mettre un filtre solaire à l'ouverture. Hein. Oubliez les filtres qu'on met ici au niveau des oculaires. Hein. Les petits filtres à visser, ça, c'est niette. Voilà ce que ça donne. L'installation. Donc, sécurisé avec une bande velcro extensible. Voilà, ça ne peut pas bouger. Un coup de vent ne peut rien bouger. Ici, vous avez une tache solaire en forme de goutte avec une pénombre. Au-dessus, vous avez un groupe de trois taches sans pénombre. Et sur le côté, vous avez ici une sorte de plage, une plage faculaire, je pense. Ou un petit groupe de taches, je ne sais pas, c'est pas très bien défini. Voilà. Pour la tâche solaire. Donc maintenant je vais essayer de faire un astro dessin, hein, tout simplement. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre bien dans l'axe, ma feuille bien dans l'axe par rapport au porte-oculaire et à la lunette pour pouvoir dessiner ma tâche. Ensuite je vais observer la dérive du soleil pour pouvoir déterminer l'axe ouest-est. Voilà. Donc voilà ici le point tangent d'entrée, de sortie de l'oculaire, donc ça se déplace en cette direction là. Ok, donc maintenant j'attends qu'il soit sorti et je trouverai le point de sortie et ce sera mon axe. Voilà, ouest, le soleil se couche à l'ouest et se lève à l'est. Voilà, donc le couchant, c'est l'ouest. Bon, on va passer à un oculaire de 10 mm. Voilà, donc on observe assez longuement la tâche pour pouvoir bien s'en imprégner. Hein, maintenant, je vais faire le dessin. Bon, ben Maurice et moi, on vous dit à très bientôt. Donc voilà, faut pas désespérer. Il a fait très très mauvais toute la journée. Ciel plombé et tout. Et là, en fin de journée. Hein, miracle.